poker. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Fox France. On est ici sur une petite gravière parce que les conditions météo sont assez difficiles, il pleut et on s'est mangé 7 à 10 jours de pluie. On voulait filmer sur la rivière et c'est impraticable, le niveau est monté, elle est chargée en déchets. Donc on a eu une petite invitation sur une petite gravière d'à peine 10 hectares où il y a majoritairement des très petits poissons et on va essayer de tirer notre épingle du jeu en faisant des poissons un peu plus sympas, des poissons de souche de la gravière qui sont là depuis des années et il y a quelques poissons de plus de 20 kg, on va essayer d'en toucher une et on verra bien. Allez, c'est parti. Brame de compète. On vous fait tourner en rond. On est là pour ça. Hein. Allez, viens là, mais là. Yes! Yes! Et bah c'est pas vilain! Et ça fait bien plaisir pour commencer. Et bah voilà le premier poisson.
Et bah c'est bien sympa. Hein. Il est tard, on va la mettre en sac, on vous la présentera demain. En tout cas, ça commence bien. J'espère que ça va enchaîner. Essayez de faire la grand-mère. Petit débriefing de cette première nuit. Le plan d'eau il est assez découpé. On a une grande zone devant nous sur la partie gauche, une grande zone ici sur la partie droite. On a un gros au fond devant nous où les poissons ont plus tendance à passer sur la berge d'en face. Donc on a mis une canne pour essayer de couper le passage. Donc ici on a fait un amour blanc et une petite miroir de 5-6 kg. Ensuite sur cette bordure qui est bien boisé avec beaucoup d'arbres morts, on en a décalé une canne d'à peu près 100 mètres sur un gros arbre immergé où là je fais également deux touches, deux petits poissons de 5-7 kg. Et ensuite on a une deuxième bordure assez boisée où on a deux gros arbres morts en plein dans la vase et avec une belle grosse tache de dur où dessus on a fait deux touches également. Je fais une casse ce matin sur le bas de ligne. Et première carpe de la nuit, je fais un beau poisson de 18 kg environ. Et il y a un beau combat, franchement, j'étais assez étonné parce qu'elle sondait dans 1 mètre, 1m20 d'eau. Il y a une dépigmentation là, c'est... Premier poisson de la nuit. On l'a prise sur la bordure d'en face, sur une tache de dur au milieu de la vase, entre deux arbres immergés. C'est dire qu'elle nous a fait un superbe combat. Oh, c'est un beau poisson. Sympa la dépigmentation sur la queue là. Ça change un peu, une belle bosse. Puis un gros four. Et la dernière canne, on a une grande baie sur notre gauche. Où là on a fait un spot à la graine. Et là on a enchaîné les brèmes, j'en ai bien fait 5-6 si c'est pas plus dans la nuit. Donc pour la journée j'ai décalé cette canne en pleine eau sur un gros au fond qui monte à 80 cm d'eau. Et derrière j'ai une grosse cassure, j'ai une cassure à 1m40. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sous cette zone, il y a 1m80 maximum. Donc juste avant la vase, j'ai mis une canne ici pour voir ce que ça va donner pour la journée. Et j'ai enlevé ma canne du passage. Parce qu'elle était assez calme depuis ce matin. Et on pêche un gros arbre mort à droite pour la journée. Et pareil, à voir ce soir si on décale ou pas et on repêche le passage ou si on garde l'arbre. On verra ça selon ce qu'on fait dans la journée. Et puis là, on va se faire un petit barbecue pour se ravitailler avant de, espérons, faire une belle touche.
va remettre la ligne pour la nuit sur le haut fond parce qu'il y a pas mal d'activités. Ça demeure rien pour le moment, mais ça bouge pas mal au milieu. Et comme j'ai déjà des cannes en bordure, j'ai rien au milieu, à part cette canne-là qui a rien donné de la journée. On va peut-être miser sur un passage la nuit sur le milieu du plan d'eau, donc on va rester là-dessus. La bonne brémouze. Je viens de faire une belle brème. Je suis vraiment content. Non, sérieux. Je suis sérieux. J'ai fait une belle brème. Bon, allez, on va remettre la canne après une bonne brème. On va essayer de faire une carpe. Un peu plus de barbillon là. Juste là dans le dur. Parfait. Les poissons qu'on a fait, ils ont la bouche dure. Je me dis que ne doit pas non plus se nourrir beaucoup sur la vase. Hein. Petit barbillon, bouche super bétonnée. Ça doit quand même plus s'alimenter sur le dur que le mou. Yes. C'est pas gros, mais ça fait toujours plaisir. Elle est toute blanche. Moi, je crois que c'est le 8e poisson. C'est pas bien gros, c'est énervé, mais c'est pas bien gros. C'est un peu plus gros, mais bon. C'est la grand-mère qu'on veut. Hein. Allez. On la laisse repartir. Bon, c'est recalé pour la nuit. Il n'y a plus qu'à espérer en faire une autre. Bilan de ce 48 heures qui se termine. On est en fin de matinée, là on va pas tarder à plier. On a fait une grosse quinzaine de touches avec des poissons majoritairement très petits. Enfin, celui-là il crache de la laitance.
en automne. Et on touche deux poissons sympas, dont celle-ci qui va pas être loin de clôturer cette session. Des poissons qui ont vraiment la niaque, hein, ça se voit qu'elles ne sont pas souvent pêchées. Parce qu'ils ont une patate d'enfer. Voilà, on termine cette vidéo sur ce poisson. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Fox.